Bonjour à tous, je suis super content de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour ces vidéos. J'ai décidé de faire une petite chaîne que je vais appeler Sep Bass TV Show. Voilà, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Sébastien, donc j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne en 2015. Mais bon, avec mon emploi du temps chargé, je ne savais pas vraiment m'en occuper régulièrement. J'ai créé aussi un site internet, pas même deux, j'adore faire un. En fait, il y en a un qui s'adresse plutôt aux gens locaux parce que je propose des cours en privé et mes services de bassiste, donc enfin locaux. Si on m'appelle pour jouer à l'autre bout du monde, j'y vais. Moyennant une rémunération correcte, évidemment. Donc. Et un autre où je propose des cours en vidéo. Donc ça a mis du temps à prendre, évidemment, parce que je ne m'en occupais pas et puis je n'ai pas commencé à faire des tunnels de vente. Et voilà, j'ai laissé ça, les abonnés viennent. Donc il y en a beaucoup d'abonnés. Donc ils sont satisfaits des cours. Moi, je suis satisfait parce qu'ils sont satisfaits. C'est mon but, hein, faire proposer quelque chose de qualité aux gens pour un prix démocratique. Donc c'est www.sep-bass.com. Donc tu as déjà droit à la vidéo gratuite. Donc si tu démarres, c'est vraiment l'idéal. Et aussi, ici, sur cette chaîne, sur ce Sep TV Show, on va travailler l'instrument ensemble. OK? Donc, par rapport au début de ce que tu pourrais voir sur le site ou même ici sur la chaîne YouTube, il y a une amélioration dans mes vidéos. Donc je me suis équipé, j'ai un micro-cravate. Maintenant, je fais mes prises de son directement via ma carte son. Que j'avais déjà à l'époque, mais bon, je n'avais pas de micro-cravate et voilà, je faisais ça un peu avec mon emploi du temps chargé comme je pouvais. Donc voilà. Alors, bienvenue, j'espère que tu vas me suivre. Je vais mettre au maximum, je vais essayer en tout cas de faire une vidéo tous les jours pendant un maximum de temps. On verra suivant l'impact que ça aura sur vous. Donc je vous invite vraiment à interagir avec moi. Hein. Vraiment, j'ai vraiment envie de ça, quoi. Hein. J'ai pas envie de faire des vidéos tout seul pour dire, voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Non, c'est pas le but, ça m'intéresse pas, ça. Moi, ce que je veux, c'est une interaction avec vous. Vraiment, que vous m'envoyez des messages et que je vous réponde. Et vraiment, c'est ce que je veux, créer une communauté entre nous, quoi. Nous, les passionnés de la basse. OK? Donc, dans ce premier show TV en direct, avec Seb, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, déjà, je vais vous présenter l'instrument si vous ne le connaissez pas. Donc, une basse, qu'est-ce que c'est une basse? Ben déjà, c'est le pilier du groupe. Hein. La basse, c'est vraiment tout. Quand la basse ne va pas, il y a tout qui s'effondre. C'est vraiment l'armature, la colonne vertébrale d'un groupe. Donc, on a la batterie qui est le squelette et la basse qui est la colonne vertébrale. Donc, avec ces deux éléments-là bien soudés ensemble, c'est ce qui fait bouger les gens. Et c'est ce qui fait que ça va booster les autres musiciens aussi, à harmoniser, vraiment faire un truc qui sonne. Si basse-batterie, déjà, ça colle pas, ben le groupe, il va pas sonner. Maintenant, si on a basse-batterie vraiment en symbiose, vous allez groover, vous allez faire bouger tout le monde et vous allez porter les autres musiciens. Donc en fait, la basse, ça fait la liaison entre l'instrument rythmique qui est la batterie et les instruments harmoniques, mélodiques. Ça fait la liaison vraiment avec, entre la batterie et les autres instruments. La basse est là pour amener le ton, voilà. Donc la basse, c'est vraiment, c'est l'instrument, quoi. C'est vraiment l'instrument, maintenant un peu plus connu. Mais moi, quand j'ai démarré, j'avais 15 ans, j'en ai 42. Je sais, ça se voit pas, mais bon, voilà, c'est comme ça, je m'entretiens. Donc la basse, c'était pas très connu. Quand on me demandait, ah, tu fais de la musique, oui, tu joues quoi à la basse? Les gens, ils ne savaient pas ce que c'était. Hein. Pourtant, nous, à l'époque, on avait, ben encore maintenant, je suppose, nous, à l'époque, les chaînes stéréo, il y avait le bouton, il y avait l'équaliseur basse, treble, tout le monde avait ça, mais personne. Les gens s'imaginaient que ce son venait des claviers, certainement, je ne sais pas. Donc voilà. Et c'était pas simple aussi d'apprendre à mon époque, hein. C'était les cassettes et les disques. Quand on devait travailler un répertoire, il fallait aller à la médiathèque, louer plusieurs albums, les copier et rebobiner, etc. Travailler, c'était vraiment difficile à l'époque. Hein. J'espère que vous vous rendez bien compte de la facilité que vous avez pour apprendre la musique. Hein.
Si j'avais pu avoir les vidéos que moi je propose à l'époque, j'aurais été mais heureux et j'aurais explosé dans un niveau incroyable, quoi, c'est certain. Maintenant, profitez de ça. Profitez vraiment de ça. Donc moi, j'ai appris la basse tout seul au début, puis j'ai pris quelques cours, mais déjà trouver un prof sérieux, c'était galère. Hein. J'étais tout motivé, moi, hein, vraiment motivé. Et des fois, le jour même du cours, on me téléphonait, oh, je ne sais pas te prendre aujourd'hui, ceci. Ouf, c'était galère, vraiment. Donc, moi, j'aimais bien le reggae. J'ai commencé par le reggae, mais trouver des musiciens sérieux dans le reggae, les gens s'étaient fumé un pétard, gratté deux accords et pas en place, et ils pensaient qu'ils jouaient du reggae et que c'était comme ça que ça se faisait. Hein. Donc, je me suis orienté vers d'autres styles pour pouvoir jouer, parce que déjà, ce n'était pas courant, les gens qui jouaient du reggae. Donc, j'ai joué un peu de tout, vraiment, même du rock, la pop. J'ai découvert beaucoup de groupes aussi, parce que j'étais très limité. Je veux dire, moi, j'écoutais que du reggae. Enfin, moi, j'écoutais du reggae, Michael Jackson et Stevie Wonder. Quoi. Pour moi, le reste, ça ne valait pas la peine. Après, je me suis ouvert, j'ai apprécié d'autres styles. Je me suis imprégné comme une éponge. Et puis, j'ai décidé d'aller à l'Académie Jazz, où là, j'ai vraiment compris beaucoup de choses, mais il faut savoir que j'avais appris la lecture et l'harmonie tout seul. Donc à l'Académie, ça a corrigé quelques petites erreurs et ça a approfondi le sujet, mais vraiment j'avais de bonnes bases que je m'étais créé seul. Donc voilà, j'ai décidé de partager ça sur YouTube, sur mon site. Maintenant, je vous invite vraiment à me soutenir de la manière dont vous voulez. Donc vous avez en dessous les liens de mon site. Partagez ces vidéos, vraiment faites tourner. Franchement, ça ne vous coûte rien. Faites-le vraiment parce que vous avez un gars qui est là, qui prend son temps, qui investit beaucoup pour vous former et pour faire quelque chose de concret. Donc, en remerciement, si vous ne décidez pas de vous inscrire sur le site ou quoi que ce soit, ben, je pense que c'est un minimum. Faites tourner, quoi. Faites tourner, ça. Ça ne vous coûte rien, je le répète, et voilà. Ok ? Voilà. Donc j'espère que, pour cette petite parenthèse, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris. Donc, on va continuer à présenter l'instrument. Donc, comme je vous disais, c'est la colonne vertébrale du groupe. Hein, c'est ce qui fait balancer, c'est ce qui fait groover un groupe. Donc, vous avez des basses 4 cordes ou des basses 5 cordes. Donc, ici, j'ai une 5 cordes, modulus. C'est vraiment un super instrument. J'ai des 4 cordes. Dans les vidéos, vous verrez la 5, la 4. Voilà. En fait, ici, j'ai décidé d'utiliser la 5 cordes parce que sur ma 4 cordes fretée, qui est une Fender Precision, je l'ai montée pour jouer du reggae parce que j'officie dans un groupe reggae qui s'appelle Roots Warriors. Je vous invite à aller voir la page Facebook Roots Warriors. Il y a une petite vidéo avec un petit son, vous allez voir, ça sonne super. D'ailleurs, on est en concert le 25 juin. Et le 1er juillet, donc le 25 juin à Namur et le 1er juillet ici à Liège. Oui, parce que je suis de Liège. Hein. Donc, vous regardez un mec, un petit liégeois. Super, non? Donc, voilà. Donc, je disais, j'ai monté la Fender Precision avec des cordes filet plein. Et un gros tirant pour vraiment avoir le gros saut dub, vraiment un gros saut roots, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos avec la 5 cordes. Parce qu'ici, j'ai tirant plus light et des cordes normales, donc sera plus et des cordes normales, donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser celle-ci pour cette vidéo. Donc voilà, donc première vidéo, ben, premier cours, hein? Donc la première chose à faire, c'est de vous acheter un instrument, hein? Donc on va dire que vous avez déjà votre instrument. Si vous ne l'avez pas, vous mettez pause, allez au magasin de musique, achetez votre instrument et vous revenez. À notre époque, vous avez vraiment des bundles, qu'ils appellent ça. Donc vous avez l'ampli, la basse, le câble, l'accordeur. Je crois que c'est une centaine d'euros, c'est vraiment donné. Maintenant, ne vous attendez pas à un super instrument, mais pour débuter et voir si vous accrochez, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller mettre des prix de fou. Maintenant, si vous avez de l'argent, faites-le, parce que si vous comptez vraiment continuer, autant avoir quelque chose de bien directement plutôt que passer des étapes avec des instruments bas de gamme et finalement vous dépensez plus d'argent au final. Donc, mais voilà. Maintenant, je peux comprendre si vous êtes jeune, vos parents n'ont peut-être pas l'investissement. Et voilà, il faut comprendre aussi. Hein, vos parents, ils se tuent au boulot. Hein. C'est pas simple, hein, croyez-moi.
Je sais de quoi je parle. Donc voilà. On va dire que vous avez votre bassin en main. On va dire que vous êtes là devant, en train d'attendre à vous imprégner d'informations. Les informations. Super. Voilà. Les informations. Première chose, vous prenez votre accordeur. Il faut vous accorder. On est d'accord. Donc, pour ça, référez-vous. Mettez pause. Allez voir, il y a une vidéo sur l'accordage. Ok ? Donc l'accordage, on peut le faire ensemble si vous voulez. Je vais recommencer, malgré que la vidéo est là. De toute façon, on est là, on a le temps, on n'est pas pressé. Et voilà. Donc, il faut nommer les cordes. Hein? Vous avez quatre cordes, sauf si vous avez opté pour une 5 cordes, mais je vous conseille la 4 cordes. Donc, la première corde, qui est la petite, quand je vous parlerai première, deuxième, troisième, quatrième corde, sachez directement que la première, c'est la plus petite. La deuxième, ben, ça va comme ça en fait. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici, dans le cas de cette basse-ci, la cinquième corde, c'est la plus grosse. Et la première, la plus petite. Donc ça va dans ce sens-là. Donc la première corde, c'est un sol. Voilà, ça c'est un sol. Si vous êtes bien accordé, on est à l'unisson et on a la même note tous les deux. Voilà, donc la deuxième corde, c'est un ré. Voilà. Maintenant, votre accordeur, vous allez me dire, ouais, mais moi je vois pas sol, ré. Je vois des lettres. Ben oui. Mais il y a un cours sur le chiffrage aussi. Il y a un cours sur le chiffrage. En fait, c'est retenez A, B, C, D, E, F, G. Donc, mnémotechnique, A, B, C, D, E, F, G. Et vous commencez par le La, donc. A, La. Donc, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, A, B, C, D, E, F, G. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Simple, non? Donc le A, c'est le A. Donc le A, c'est La. Et le G, c'est Sol. Donc A, B, C, D, E, F, G. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est bon? Vous accordez, vous accorderez une petite aiguille. Vous n'avez même pas besoin d'en acheter un, en fait. Hein? Il y a des applications sur smartphone. Parce que maintenant, franchement, les smartphones, ce sont des outils vraiment incroyables. Je vous dis, vous êtes dans une époque de technologie pour apprendre la musique. Franchement. Terrible, quoi. Terrible. Vous pouvez devenir un tueur très vite. Hein. Faites-moi confiance. Surtout en suivant mes cours, en allant sur le site. Et si vous vous inscrivez sur la partie premium, vous allez très vite évoluer et jouer tous vos groupes favoris. Ça, c'est... Je vous le garantis. Hein. Donc, voilà. Donc, sol. Vous avez une aiguille. Et il y a deux petites flèches sur les côtés. Quand l'aiguille est au milieu et les deux petites flèches, c'est que la note est juste. Là-dessus, il y a un cours sur l'accordage sur ma chaîne et sur le site, et vous avez droit à 20 vidéos gratuites sur le site. Hein. N'hésitez pas à vous inscrire. Ici, on a encore le La. Voilà. Donc voilà, l'accordage, c'est vu, ok? Donc si vous n'avez pas tout compris, allez voir le cours sur l'accordage, ok? Et accordez-vous correctement, toujours à votre jouet. Hein? Parce que j'ai des élèves, des fois ils me disaient, hein? Donc j'étais dans la classe, parce que je donne des cours dans une école de musique ici à Liège, ah oui, plus précisément. Et bon, j'étais là, puis l'élève il arrive, il déballe ses trucs, voilà, il s'assoit, bon, on y va. T'as rien oublié? Je lui disais. Ah ben non, quoi? Ben tu ne t'accordes pas? Ben, je me suis accordé la semaine passée. Vous vous rendez bien compte qu'un instrument c'est fait de bois, de métal, ça bouge.
Donc à chaque fois que vous prenez votre instrument, un petit coup, on check, on accorde. Important, toujours jouer avec un instrument accordé déjà pour bien développer votre oreille. Il faut toujours jouer juste, ça c'est certain. Il faut vraiment être accordé, ça c'est vraiment important. Deuxième chose dans votre équipement, un métronome. Puisque c'est un métronome, c'est un appareil qui fait clic, clic, clic. Donc smartphone, encore une fois, je pense que j'en ai un là. Voilà, métronome. Donc à chaque fois que vous jouez, voilà. Je vous donne un exemple, je ne sais pas si vous l'entendez. Pas bouger. Voilà, donc accordage, métronome, on est bon. Eh bien, c'est parti, on va arrêter de blablater. Donc, je vous promets une chose, c'est que à chaque TV show, je vous promets une chose, à chaque vidéo, il y aura la technique, des exercices, donc la technique, donc des exercices, donc la technique, et je vous apprendrai une petite chanson. Donc, si vous n'avez jamais joué de basse, regardez-moi. C'est une promesse que je vous fais. Si vous n'avez jamais joué de basse, vous suivez ce cours-là maintenant, cette vidéo, ce show, vous allez jouer un petit morceau après. Je vous le garantis. Donc voilà, première chose, vous allez dire, c'est difficile. Vous avez sûrement déjà essayé votre basse, vous êtes coincé. Donc déjà, relax les gars. Relax les gars ou les filles. Hein. Parce que j'ai pas mal d'élèves filles aussi et ça joue hein, les filles. Donc voilà, vraiment relax, hein. Vraiment la position comme ça, ici, position comme ça, donc voilà, le pouce comme ça derrière le manche, pas comme ça, vraiment comme ça, voilà, vraiment vous tenez ça comme ça. Donc le joueur buté, c'est index majeur, index majeur, index majeur, voilà. La tenue de l'instrument, ben, attendez parce que j'ai le micro qui m'embête un petit peu. La tenue de l'instrument à l'aise, quoi, comme ça. Vous pouvez mettre votre jambe comme ça, si vous voulez. Voilà, vous voyez, je suis à l'aise, je ne suis pas tendu. Hein. Ça ne sert à rien de se tendre. On joue comme on est. Si vous êtes tendu, vous allez avoir un jeu tendu. Donc relax, hein, vraiment. Donc relax. Hein. Alors ici, il y a un cours aussi sur la position, hein, sur le site. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur le site et compléter cette vidéo. Donc, ici, vous laissez pendre votre main, votre bras comme ça. Puis, vous remontez doucement et hop, vous positionnez. Il y en a qui jouent comme ça. Suivant votre position, voilà, vous appuyez là au début, tranquille. Voilà. Pas trop courbé comme ça. Hein. Vraiment, trouvez votre position. De toute façon, il y a un cours. Vous allez voir. Voilà. Donc on va commencer directement avec un premier exercice. Premier exercice que j'appelle exercice déliateur. C'est tout simple. Donc pour vous faciliter la tâche, on va commencer. Donc pour vous faciliter la tâche, on va commencer ici. Voilà, au niveau de la septième case. Hein, sur la petite corde. On ne va pas être vache dès le début. Hein. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Ben, simplement, vous voyez, un doigt par case. Vous voyez. Un doigt par case. Un doigt par case. Donc. Ok. Donc on y va. 3. On met le métronome. Je ne sais pas si vous allez l'entendre parce qu'il n'est pas branché. Mais c'est rien, on va quand même le mettre. Donc ici, il est à 73. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est peut-être un peu rapide pour vous. Donc ce qu'on va faire, vous allez jouer que le 1. Comme ça, vous avez le temps de vous positionner. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, on reprend la même note et on redescend. Temps bien sûr de jouer au moins ça. Donc
faire vraiment jeter les doigts. Donc, évitez ça. Ça, je ne veux pas. Hein. Donc, regardez ce que je ne veux pas. Là. Donc. Ça, je ne veux pas. Hein. Ça, c'est non. Hein. Ça, c'est dehors. Ça, c'est dehors. Donc, vraiment, laissez sur le manche. Vous voyez? Et à la fin, les quatre doigts sont appuyés. Les quatre doigts appuient la touche. Donc, on évite de jeter les doigts comme ça, ça ne sert à rien. Donc, on les laisse sur le manche. Ok? Quand vous avez un peu l'habitude, on va commencer maintenant par la quatrième corde. Faites pas attention, vous, à celle-là, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas de cinq cordes. Hein. Donc n'allez pas plus bas. Ici. Donc vous faites. Ici, toujours bien, allez. Index majeur. Index majeur. Entraînez-vous bien comme ça. On va en rester là au niveau exercice pour cette première vidéo. Alors comme je vous ai promis, on va se faire un petit morceau. Hein? Un petit morceau sympa. Au hasard, allez, allez, un petit... Un petit morceau, allez. Un truc. Voilà. On va faire un petit truc sympa. Vraiment sur... Il n'y aura même pas besoin d'appuyer. Ça, c'est pour vous apprendre à retenir ici. Donc, pas, on ne va pas faire ça. Il faudra venir déposer comme ça. Donc, juste une note. Et encore une note à vie, qui est le mi. Donc, vous, c'est la quatrième corde. Ben, moi aussi. Mais vous, c'est votre dernière corde. La quatrième corde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler un peu de rythme, comme ça. On fait. Okay, donc. Donc faites-le avec moi. Hein. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Donc en fait, vous comptez battre la mesure avec le pied. Donc 1, 2, 3, 4. Ça va. Pam, pam, pam. Un coup d'or vide. Okay. Pam, pam, pam. Pam, pam. Donc là, ça se complique un petit peu. C'est pam pam. Pam pam. Pam pam pam. Coup d'œil vide. Pam pam. Vous voyez? Tam tam tam. Tam tam. Donc sur le premier temps, on joue 1 et. Donc 1, 2, 3, 4, 1 et. Et puis on ne joue pas le 2. Donc on joue par le 2 et puis on jouera entre le 2 et le 3. Donc pam, 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 pam. Et on joue le 3. Ok? Tam, 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 tac, tam, 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 tac, tam, 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 tam. Ok? Allez, amusez-vous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye! Merci à vous d'être là. N'oubliez pas, partagez, cliquez, j'aime, tout ce que vous voulez. Pas de j'aime pas. Allez, salut!